Vous avez des pièces d'occasion, des... Trouver une pièce détachée pour un four ou bien remplacer son lave-linge ou son réfrigérateur par un appareil en parfait état de marche, moitié moins cher, voilà ce qu'on propose ici. Nous sommes à Azay-le-Brûlé, dans l'entreprise d'insertion Envie, où l'on collecte, répare et revend de l'électroménager. C'est bon pour nous. J'ai acheté un lave-vaisselle au mois de juillet, donc pas très cher, je ne vais pas dire le prix, mais bon voilà, qui correspond vraiment à mes attentes et mes besoins. Il y a une garantie de 12 mois sur les appareils. C'est une insertion logique et intelligente, on va dire, et qui correspond bien avec l'air du temps. Envie emploie ici une trentaine de salariés en contrat d'insertion, encadré par une quinzaine de formateurs. Mais on en met comme toujours, machine débranchée. Il s'agit de transmettre un métier, bien sûr, mais surtout de redonner confiance à des personnes ayant connu des situations d'échec. J'étais démotivé par les cours. Et moi, ce qui me remotivait, c'était de travailler. Plus particulièrement de travailler et d'être... à 100% quoi, à 100% dans l'entreprise, et cette entreprise me donne cette chance. Chaque personne a un caractère est particulier, donc il faut s'adapter à tout le monde. C'est un métier hein, d'être encadrant, parce qu'il faut savoir être à l'écoute, mais trouver la bonne façon de leur parler, de leur apprendre. Donc c'est un travail à faire sur chaque personne. Envie est financée à 60% par des aides publiques, le reste provenant des ventes du magasin. De l'économie sociale et solidaire que l'on pourrait ainsi définir. Ma fille, un jour, m'a sorti cette phrase et résume très bien un peu la philosophie de la structure. C'est qu'ici, on répare et les machines et les bonhommes. Et lorsqu'un appareil n'est pas réparable, il est démonté en pièces détachées. Cet entrepôt en compte actuellement 70 000.